Bonsoir, je m'appelle Hélène et je suis ici pour m'occuper de vous. Bienvenue à votre spa du soir. Ce soir, nous allons retirer votre maquillage gentiment. Nous allons laver votre visage avec un savon de Marseille que je souhaite vous présenter. Le savon de Marseille est un des meilleurs savons, des plus anciens, des plus purs. Il est fait à base de produits naturels seulement. Je voulais vous le présenter et vous laver le visage avec. Ensuite, nous procéderons à une série de traitements et je voudrais inclure dans ce traitement un soin pour le visage pour le soir, un sérum pour le cou et les épaules aussi, d'accord? Ensuite, nous brosserons les dents ensemble, oui, et vous serez prête pour aller vous coucher. Vous avez réservé une chambre, il me semble, ici. C'est parfait. Vous aurez du thé, vous aurez de la musique, vous aurez des films relaxants et vous pourrez tout simplement profiter de votre soirée. Voilà. Est-ce que cela vous convient? D'accord. Alors, nous pouvons commencer. Commençons par retirer votre maquillage avec cette huile d'une couleur magnifique, je trouve. Et comme d'habitude, j'aime bien utiliser de l'huile pour désintégrer le maquillage plus sainement et plus naturellement et plus rapidement. Avant de laver le visage, couleur de notre démaquillant, une teinte jaune vibrant. Qu'en pensez-vous? Alors commençons.
procédé au lavage avec le savon de Marseille, pardon, dont je vous ai parlé. Voici mon savon de Marseille. Ça sent frais, ça sent naturel à l'huile d'olive. Et je suis sûre que certains de vous connaissent le savon de Marseille. Bien entendu, c'était plutôt nos grands-mères qui l'utilisaient, mais ça revient bien, heureusement, au goût du jour, puisque on ne peut pas trouver plus naturel que ce savon. Il y a aussi le savon d'Alep que j'utilise et dont je vous parlerai dans une autre session si vous le souhaitez, qui pareil est un des plus vieux savons et naturels. Alors, nous allons nous occuper du lavage maintenant. Ceci tout simplement sur votre visage et ensuite je prendrai un gant pour laver, d'accord? Ok. Voilà, donc maintenant j'aimerais laver votre visage avec un gant, d'accord? Les épaules. Ça sent bon. Hein. Un petit peu de l'autre côté. Je change de main. Propre. Je voudrais maintenant essuyer. Pour essuyer, je vais utiliser deux cotons gentiment comme ceci. Voilà. Retirer l'excès d'eau. Comme ceci, et bien entendu au niveau du cou. Nous préparons le cou parce que nous allons mettre un traitement, un sérum raffermissant pour la nuit. Donc, voilà. Au niveau du cou. Thank you.
maintenant, j'aimerais utiliser un tonifiant à base d'eau distillée et de deux ou trois huiles essentielles, dont l'huile essentielle d'orange et de citron. Et ces huiles sont des tonifiants et ça aide pour mettre de bonne humeur, juste sans. J'ai mis une goutte d'huile essentielle de lavande aussi, puisque nous sommes le soir et vous allez vous relaxer, vous allez aller au lit. Allons-y. Le cou. Voilà, et maintenant le visage. Voilà, j'en mets un peu sur le cou. Est-ce que ça sent frais? Je ne m'en lasse pas. Alors bon, eh bien je vais masser un tout petit peu le temps que cela pénètre les pores de votre peau et ça sera rapide. Voilà, comme ceci, gentiment. Et maintenant, de toute façon, je vais vous masser le visage ainsi que le cou et les épaules avec les produits que je vais vous montrer maintenant. Je vais commencer par... Je vais vous les montrer tout d'abord. Voilà, donc j'ai deux produits. Et donc un est un sérum pour le décolleté et le visage. Et l'autre, c'est un soin de nuit. Une crème riche, réconfortante. C'est épais pour la nuit, c'est plein de bons nutriments. J'ai l'impression de sentir un yaourt. Peut-être au caramel, je ne suis pas sûre. Ça sent très bon. Voilà, alors je mets la crème. Je fais pénétrer la crème un peu partout. Comme ceci.
épaules. Voilà, maintenant nous allons passer au sérum pour le décolleté. Toutes ces crèmes sont bonnes. Il n'y a pas à dire. Je prépare la crème. C'est une texture vraiment très agréable. Nous allons l'appliquer maintenant au niveau du cou donc, et du décolleté. Alors, allons-y. Bien appliqué maintenant. C'est parfait. Parfait. D'accord, maintenant nous allons passer à la dernière phase qui est de se laver les dents. Puisque vous avez loué une chambre ce soir à l'hôtel spa, eh bien vous allez pouvoir vous reposer directement en entrant dans votre chambre. Maintenant si vous voulez boire une tisane, il n'y a pas de problème après le lavage des dents. Et vous aurez à votre disposition une série de films de relaxation sur la nature, des documentaires, tout pour vous mettre en phase sommeil, d'accord? Donc voici notre brosse à dents. Et nous allons tout simplement vous masser les mâchoires avec ça. Et nous allons utiliser... comme ceci. Êtes-vous prête? Oui. En dessous.
avait recommandé de se laver autant de fois que l'on mange, en fait, tout simplement pour arrêter l'acidité des produits, de la nourriture. Vous voyez, donc trois fois, même plus si on mange entre les repas. Ouais. Voilà. Je fais en dessous maintenant, montrez-moi. Je pense que c'est bon. D'accord. Alors, il y a un lavabo. Dès que j'aurai terminé. Voilà, très bien, alors je suis ravie, nous avons absolument tout fait, vous êtes toute neuve, tout bien propre, et bien vous pourrez tout simplement prendre un bain relaxant, vous verrez, il y a des produits, il y a des pétales de fleurs, il y a des huiles essentielles pour vous relaxer avant de vous mettre au lit, d'accord? Et puis demain, vous avez le petit déjeuner au lit. Il est très important de prendre soin de soi-même de temps en temps, n'est-ce pas? Parfait, je suis très contente de vous avoir rencontré et n'hésitez pas à revenir.